Chères Anguénoises, chers Anguénois, je vous souhaite bonne année. Depuis 3-4 ans, nous enregistrons choc après choc. Présenter les vœux aujourd'hui invite à penser aux souffrances de la guerre en Ukraine et aux confins de l'Arménie, aux morts et aux otages israéliens. Et encore plus douloureusement à Samuel Paty et Dominique Bernard. Le terrorisme est une offense à l'humanité par sa lâcheté. La lâcheté de s'en prendre à des innocents et à des civils désarmés. Mon premier vœu, solennel, est naturellement la paix. Enghien-les-Bains, c'est parer de lumière pour Noël, pour plus de convivialité, pour plus de sérénité joyeuse. Je vous invite à venir voir nos décors. Les bulles pour vos enfants, ils pourront flasher le code et écouter un conte. Mais aussi et surtout pour vous, les projections numériques monumentales, notamment sur l'église où c'est l'IA, l'intelligence artificielle, qui fait le spectacle. Mon deuxième vœu sera celui du triomphe de l'intelligence du cœur et de la raison, raison humaine. Enfin, 2024 est l'année olympique à Paris. Je vous souhaite que les cinq anneaux des cinq continents entremêlés soient de vrais symboles de paix et de coopération. Je vous souhaite de porter plus haut l'identité de la France et plus fort la volonté de vivre ensemble, quelles que soient nos origines et croyances. Je souhaite à tous de belles fêtes de Noël, bien entendu de la lumière dans tous les cœurs, la paix dans les cœurs et évidemment un sur le monde.